Merci madame, au revoir. Merci madame. Je le garde. Dans le cadre de la politique européenne du développement rural, le réseau rural français lance début 2018 un appel à projets en faveur de la ruralité. L'un des projets lauréats s'intitule « Le développement rural par la coopération ». Il vise à révéler, à partir d'expériences de terrain, une connaissance nouvelle pour faire de la coopération un levier du développement rural. Auteurs de ce projet, Anne et Patrick Beauvillard arpentent les territoires lors de longues itinérances à pied. Ils vont à la rencontre d'acteurs engagés dans des actions collectives. Parmi eux, des maires, des élus locaux, des paysans, des salariés, des bénévoles, des militants du développement local, des habitants. Le film que vous allez voir fait partie de ce projet. Ce que je vis, c'est un grand étonnement de la difficulté qu'on peut rencontrer quand on essaie de travailler en collectif, quand on essaie de transcender un peu nos intérêts propres, institutionnels, associatifs, corporatistes, finalement. On se rend compte que c'est du cloisonnement, c'est de la segmentation, c'est de l'approche en tuyau d'orgue, du travail non collectif. Et c'est parfois aussi des barbelés, même des champs de mine, des murs, beaucoup de murs. Et moi, ça ne laisse pas de me surprendre. On voit souvent la collectivité comme une administration. Oui. Et moi, ça fait 12 ans que je suis dans cette collectivité. Et avec les élus, avec la population, avec le territoire dans son ensemble, les entreprises, les associations, il y a vraiment tout ce lien qui est en train d'émerger. Et moi, c'est ce qui me plaît vraiment, c'est de voir tout ce qui est sous-jacent et tout ce qui peut être relié et de pouvoir le formaliser et le construire. Voilà. Aujourd'hui, on va accompagner dans l'année environ 120 entrepreneurs. Les 120 entrepreneurs sont sur un territoire. Les rencontres physiques sont difficiles. On a senti, par exemple, que les entrepreneurs de Lyon ont envie de se retrouver ensemble, quels que soient les métiers. Ici, comme le groupe d'entrepreneurs était plus important, on va pouvoir les réunir plutôt par centre d'intérêt. Donc on a un petit peu des groupes et on va essayer de faire des groupes par filière. Mmh. Hein. Mais voilà, ça fait partie des choses où effectivement il y a un besoin de se retrouver, prendre le temps de réfléchir et puis de se repositionner sur l'utilité de la coopération. La richesse de notre coopérative, c'est justement, et la difficulté, c'est d'entendre et de comprendre l'ensemble des éléments de cet ensemble complexe. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas encore senti la coopération. Je sais qu'on est là, qu'on est réunis, qu'on travaille dans le même sens, mais voilà, il n'y a pas eu ce petit élément qui va dire « Oui, mais voilà, tu vas pouvoir travailler en coopération. » Tu n'as pas le sentiment de le vivre encore ? Non. D'accord. Le statut, oui. Oui. En tant que coopérative. Oui, parce que voilà. Mais la coopération en tant que telle, elle ne s'est pas concrétisée encore. D'accord. On sait très bien que les nouveaux entrants viennent pour le service, vous l'avez dit tout à l'heure, vous venez pour l'administratif, qui est des charges administratives, vous venez pour l'accompagnement éventuel, vous venez pour des choses comme ça. La coopérative en soi, c'est l'outil. Par contre, après, comment nous, on peut faire en sorte qu'on arrive à basculer, à vous emmener dans cette coopérative en tant qu'associé, en tant qu'impliqué dans cette coopérative, plutôt que simplement se servir et piocher dans les outils que peut proposer la coopérative.
Et c'est un vrai questionnement. Hein. C'est-à-dire que, à la limite, on peut en travailler, etc. Parce que aujourd'hui, moi et l'équipe d'appui, etc., on ne sait pas comment faire. Au sein de la coopérative, au sein de notre coopération, on voit des valeurs communes. Mais encore une fois, moi, ce qui me laisse sur ma faim, c'est pouvoir aller où ? C'est un but, en fait. Il manque ce but qui me tiraille. Chaque fois, on a envie des mêmes choses, mais du coup, on en fait quoi ? On va où ? On fait quoi ? Donc, même si on a le même boulot, comment on peut avancer ensemble ? On a les mêmes valeurs. Comment on peut avancer ensemble pour atteindre les quoi ? L'œuvre commune, du coup. Oui. Quelle est l'œuvre commune, le but ? Voilà, c'est ça. C'est ça qui me manque un peu. Mais bon, pour raccrocher un peu... C'est bien, l'œuvre commune... Ça permet de sortir des choses. On peut aller plus loin dans l'œuvre commune, ça m'intéresse. Bah justement, c'est ça qui me perturbe, c'est que je la vois pas. Je reste sur ma faim sur... C'est comme le fait de prendre les transports en commun, c'est qu'on utilise le moyen de transport ensemble pour faire un truc, sauf que le terme coopération fait plus penser à on a la destination en commun. Vous connaissez cette parabole de la cathédrale ? Non. C'est un homme qui se promène sur un chemin et il voit un autre homme qui est avec une pierre et un burin et qui est en train de tailler sa pierre. Et donc il lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Et l'homme lui répond, je taille ma pierre. Et donc il continue et il rencontre un autre personnage qui également a une pierre et un burin et à qui il pose la même question, qu'es-tu en train de faire ? Et il dit, je construis un mur. Et en continuant son chemin, il rencontre un troisième personnage à qui il va poser la même question et qui lui répond, je bâtis une cathédrale. La vision. Voilà. Et j'ai l'impression que dans le fonctionnement de la CAE, chacun a besoin de connaître la pierre que lui-même est en train de tailler. Il a besoin également de savoir, mais cette pierre, finalement, dans quel mur elle va s'inscrire. Et peut-être que la vision de la cathédrale commune à tous. Voilà. C'était juste... J'ai eu cette image-là qui m'est venue, j'avais envie de vous la faire partager. C'est le nombre de chemins qu'il peut y avoir. Je viens d'un pays de montagne où il y a un chemin, on va dire ça comme ça. Ici, il y a une foule de chemins et 50 moyens d'arriver en prenant des chemins différents au même endroit. Je vais dire ça comme ça, on peut facilement se perdre. Et ça, c'est une vraie caractéristique pour moi. C'est comme si le paysage exigeait, enfin la configuration topographique exigeait cette démarche volontaire pour mettre les gens alliés. Pardon, c'est une image poétique. Non, vas-y. Oui. Non, on a un problème de mitage, de la construction du mitage dans le Bourbonnais où on nous l'interdit aujourd'hui. Et autant je pense qu'il ne faut pas artificialiser les terres agricoles, autant je pense que cette caractéristique-là, il faut qu'on la conserve. Oui. Et donc, on a un gros problème avec l'administration à ce niveau-là. Et donc, la manière dont tu as amené les choses, c'est une autre approche et c'est un certain nombre d'arguments qui ressortent là, qui font qu'on va peut-être pouvoir travailler de ce côté-là. Pour moi, c'est important parce que c'est un ressenti dans le vécu des gens, en tout cas pour moi. C'est important d'avoir ce deal devant moi, quoi. C'est-à-dire que si je veux joindre mon voisin,
il faut que je fasse la démarche. Oui. Et pourtant, il y a un chemin, il y a plein de chemins. Il y a plein de chemins. Et il y a plein de chemins. Il y a plein de chemins. Et on peut aussi éviter de passer chez le voisin. Enfin, ça veut dire tout ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il y a un véritable choix à faire de ma part pour aller rencontrer. Ouais. Je peux prendre le chemin de tout le monde, je peux prendre un autre chemin. Ouais. Voilà, il va falloir que je me pose la question de la manière. Ceci, il n'y a qu'une route, en fait, il n'y a qu'une route, ça ne m'amène même pas à me poser la question. En fait, quand on est dans une configuration de montagne, il y a des passages obligés. Oui. On va dire, il y a un passage obligé, il faut passer par le col ou je ne sais pas. Ici, il y a 50, moyens de cheminer, en fait. C'est... Ce qui veut dire que la culture d'un territoire influe sur notre manière d'être. On est un territoire, je pense qu'il faut le citer quand même, on est le territoire des mille vies aux mains, du syndicalisme, c'est un écrivain, un paysan. Voilà. Et on a cette culture-là sur ce territoire, je pense, de la coopération, du syndicalisme, de se soutenir. Voilà. C'est quelque chose qui est dans les valeurs, dans la culture locale. Ce qui fait qu'on laisse, on laisse pas une personne isolée. Quand quelqu'un est seul pour des raisons X ou Y, ils sont rarement isolés parce qu'il y a un environnement qui fait que... Tout le monde se rend compte que... Ouais. Donc il faut aller, la voir, ne serait-ce que pour aller la voir, ou lui porter aide ou secours s'il y a besoin, mais ne serait-ce que pour aller la voir. Pour les personnes idylliques, ce que tu dis. C'est un peu idyllique, ce que tu dis. Je parle de mon expérience. Ça fait 20 ans que j'habite Trongé, 20 ans que je vais au vœu du maire, et 19 ans. Que je suis assise là, qu'il n'y a personne devant, à côté, derrière, sur la droite et sur la gauche. Je ne suis pas allée à l'école avec eux, mes enfants étaient scolarisés ailleurs. Bien. Je suis... Alors, ils sont gentils, ils me saluent, mais il n'y a personne. Ouais. Et quand je suis allée au repas des anciens, parce que je suis ancienne maintenant, j'étais en bout de table, en face du bocal de poisson rouge. Il n'y avait personne qui avait envie de s'asseoir à côté de moi. Je pense que si je demande de l'aide, je l'aurai. Oui. Mais alors peut-être que culturellement, je suis un peu différente, mon fils est agriculteur. Mais il y a quelque chose qui fait que à Autry, quand j'amenais mes enfants à l'école, c'était facile. Il y a les parents des copains. J'arrive toute seule à Trongé. Je suis la dame seule au chien noir et j'ai été longtemps la dame seule au chien noir. Dans les ateliers de la vitalité sociale, c'est ressorti très fort. Il y a des gens qui n'étaient pas d'ici, enfin qui étaient arrivés depuis peu, qui disaient mais j'ai l'impression d'avoir du mal à m'intégrer. C'est pas qu'on me rejette, mais c'est que les gens ne viennent pas naturellement vers moi. Et dans l'atelier, justement, il y a des gens qui ont fait remarquer, mais finalement, on dit mais qu'est-ce que moi j'ai fait pour aller vers les gens d'ici. Quand je vais voir l'autre, il faut que je me pose aussi la question de savoir mais dans quelle mesure je l'accepte en fait, qu'il ait même peut-être des valeurs différentes ou une opinion différente. Parce que si je ne l'accepte pas de manière sincère, alors il va le sentir, alors il va mettre les armes, le casque, les lances, et peu de chance qu'il m'écoute. Donc pour que l'autre m'entende, il faut qu'il soit en paix. Il faut qu'il soit en paix, il faut que je sois moi-même en paix avec sa représentation. Je pensais aux mots valeurs. Peut-être qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, peut-être qu'on ne voit pas les choses de la même manière. Mais le partage de nos représentations, donc l'acceptation que la représentation de l'autre soit différente. Moi, je me souviens d'une rencontre qu'on a faite dans le Lot-et-Garonne. C'est aussi un territoire de migration, aussi un territoire de passage, etc. Et où il y a quelqu'un qui disait que ce qu'il avait attaché à ce territoire, c'est que quand elle arrivait, les gens lui disaient bonjour. Et à un autre moment, la même personne dit... Parce que, bon, le Lot-et-Garonne, il y a de plus en plus de Bordelais, le loyer à Bordeaux augmente, le foncier augmente, les gens vont plus loin, donc il y a beaucoup de gens nouveaux qui arrivent dans ce territoire. Ils disaient, mais ces gens nouveaux, on les croise, ils ne nous disent pas bonjour. Et à un moment, elle s'est rendue compte qu'elle avait juste changé de regard et de perception, mais que ce qu'elle trouvait merveilleux, c'était qu'elle, arrivant, ceux qui étaient là l'accueillaient et lui disaient bonjour. Et ce qu'elle reprochait au nouveau, c'était de ne pas lui dire bonjour à elle qui était là. Et que finalement, on passait vite d'une posture où on apprécie ce que l'autre fait pour nous,
Sans mesurer qu'on ne fait pas forcément ça vis-à-vis de l'autre. Et quand, enfin, c'était très intéressant de voir cette mutation qu'il y a eu. Et à un moment, ce truc de dire, mais finalement, ce que j'appréciais des autres, c'est ce que moi, je ne fais pas. Nous, avec un public, notamment des réfugiés, à ce moment-là, on a des réfugiés avec lesquels ça se passe très très bien, avec lesquels on a quand même fait, on va vers eux, il y a quand même une association qui s'est montée, on les aide, bon voilà. Donc il y a tout un travail qui est fait. Et puis, avec les premiers arrivés, ça s'est passé admirablement bien, parce que, mis à part la couleur de peau, au bout de 6 mois, on ne savait même pas qu'ils étaient pas bourbonnais. Parce qu'ils ont participé à la vie, enfin bon voilà, et puis ils étaient copains avec tout le monde. Donc ça se passait bien. Et puis on en a d'autres avec lesquels, mais c'est dur, enfin c'est compliqué quoi d'y aller quoi. Alors ça dépend pas forcément des nationalités, ça dépend pas forcément de leur culture auparavant, mais il y a des gens avec lesquels, eh ben, ça accroche pas, on n'y arrive pas, c'est pas possible, et ça crée des heurts. Et avec d'autres, ça se passe admirablement bien. Alors. Et ça vaudrait le coup, quelquefois, de regarder. Est-ce qu'on fait la même chose ? Ou est-ce qu'il y a des choses qui nous semblent évidentes ? Parce qu'avec les premiers, on a construit finalement cet accueil auquel on n'était pas habitué. Ils ont fait partie de la construction. Et puis tous ceux qui vont arriver après, ils sont face à quelque chose qui existe déjà. Qui existe. Et avec lesquels on ne va pas faire le même chemin. C'est vrai. Donc c'est intéressant toujours de se dire qu'il y a un apprentissage qui se fera par un chemin. Et que ce chemin-là, si on ne le réimprinte pas, c'est pas revenir en arrière. C'est se donner la possibilité de faire les apprentissages ensemble, parce qu'il n'y a que ça qui nous permet réellement de coopérer ensemble. Et c'est pour ça que certains disent « Mais notre œuvre commune, c'est pas l'objet, c'est notre manière de coopérative de le mener. » Comment soigne-t-on ce processus avec au moins autant d'efforts que le résultat ? Exactement. Celui qui fait les frites, quel est son intérêt par rapport à l'opération de jazz dans le bocage? C'est pas la musique. Donc il y a un projet d'amener de la musique localement, enfin un style de musique localement, et lui, c'est pas son truc. Son truc, c'est pas la musique. C'est. Il contribue à l'œuvre commune. Il a un projet dans le projet. Il a un projet dans le projet. Donc il a son propre intérêt qui est autre. Que celui qui a rassemblé tout le monde. On peut contribuer en étant extérieur. Oui. Parce que moi, si je vais à la buvette boire des coups, je contribue à la réussite du projet. Et ça, c'est très important. Partenir. C'est très important. C'est la raison pour laquelle, juste un petit saut, parce qu'il me semble important de l'amener à ce moment-là. Souvent, la définition qu'on trouve dans le mot coopérer, elle vient des travaux de l'anthropologue américaine Margaret Mead, qui disait coopérer, c'est agir ensemble dans un but commun. Et quand on a commencé à travailler sur cette question, il nous semblait que cette définition-là était insuffisante parce que trop vague. L'une des raisons, c'est un, la différence entre acteur et auteur qu'on a posé. Dans coopérer, il y a la notion d'être co-auteur. Puis la deuxième dimension, c'est ça, c'est-à-dire que les raisons, les buts de chacun sont différents, même si l'œuvre est commune. Donc l'œuvre est commune, mais les raisons d'être de chacun, elles sont intimes. Et si on ne regarde pas ces raisons d'être, la diversité de ces raisons d'être, on risque de se dire d'avoir une vision extrêmement restrictive et qui devient finalement exclusive au sens excluante. Voilà, excluante. Pas exclusive, excluante. Oui, merci absolument. Très souvent, on essaye de convaincre par le projet, alors que vous êtes tous en train de dire, et je me le suis noté, parce que vous avez une grosse conscience dans tout ce que vous dites, du processus, en fait, et du chemin. Vous parlez énormément du chemin au-delà des projets. En coordination sa respiration avec ses pas, par exemple, ça veut dire qu'on prête une attention aux signaux faibles qui sont les 3/4 du temps qu'on laisse de côté, c'est-à-dire qu'on se met en apnée tout seul, qu'on est essoufflé, qu'il y a dissonance entre les deux. Et donc la marche nous réapprend à tenir compte de nos signaux faibles. Je peux me mettre à respirer plus vite, mais si je garde les mêmes pas,
Je vais complètement m'épuiser. Les éléments du système sont tous liés entre eux. Tout notre travail à nous, c'est de regarder entre les plis les choses qui sont là mais qu'on ne voit pas. Donc, on va poser quelques questions et vous allez chacun y répondre à la volée, enfin comme en fonction de ce que vous avez. Des idées qui viennent. Et c'est des questions qu'on a l'habitude d'appeler déroutantes. Dérouter, c'est prendre une autre route. Donc, c'est regarder le projet, mais d'un autre angle. Et des questions vont sûrement vous sembler un peu... tordu. Étrange. La question, ce serait de se dire quels seraient les bénéfices, les avantages pour moi et pour les autres à ne pas faire ça. C'est-à-dire à ne pas m'impliquer dans ce sur quoi vous vous impliquez. S'il y avait des avantages à ne pas faire, qu'est-ce que ça pourrait bien être ? Et là, prenez tout ce qui vous vient en l'air. Et cherchez pas à ce que ça soit trop rationnel. Voilà, ce qui te vient tout de suite. Ah, du temps pour soi. Ouais. Pour la famille. Ouais. Oui, donc celui qui gagne, oui, pour moi et pour les autres, ça peut être pour, du temps pour moi, du temps pour ma famille aussi. Ouais, être plus individualiste. Faire plus vite. Faire plus vite, ouais. Faire plus vite quoi ? On lèverait les freins du temps, où il faut se mettre d'accord, faut partager le sens du projet, etc. Là, j'ai l'argent en tant qu'indépendant, pour avoir travaillé dans une collectivité auparavant. En tant qu'indépendant, les projets vont beaucoup plus vite vis-à-vis de certains clients. Voilà, il y a une réactivité qui est plus importante. Un autre avantage, ce serait ne pas aborder la complexité. C'est vrai que c'est la simplicité face à la complexité. Parce que, par exemple, sur l'expérience... pas zéro chômeur, zéro phyto. Quand la gare a décidé de se lancer à accompagner les villages qui devaient passer au zéro phyto. La base du raisonnement, ça a été de se dire bon, on ne sait pas faire. Et on a besoin d'un médiateur extérieur pour faire. On n'y arrivera pas seul. Je pense que ça aurait été plus facile si un jour, en Comcom, on avait dit on vote une subvention de 10 000 euros à tel cabinet conseil extérieur. Ça aurait été plus simple parce qu'il y aurait eu une confiance. Enfin, je pense que pour une partie des gens, ils diraient oui, c'est une compétence à tester extérieure. Là, là. Et donc, enfin, voilà, l'avantage des fois d'aller à l'extérieur, c'est la simplicité. Et on voit bien, notamment dans le monde des élus, combien c'est beaucoup plus simple de se dessaisir de la question, disons, on la confie à une expertise extérieure, ils nous feront leur rapport, du coup, ils ne s'approprient pas forcément la démarche, donc c'est plus ou moins générateur de résultats derrière. Enfin, moi, je trouve que c'est très peu satisfaisant. Il y a une forme de déficit d'estime de soi sur ce territoire et qu'on estime que l'expertise, elle est forcément ailleurs. Il y a des moments où on a besoin de l'apport extérieur qui apporte des réponses. Il y a des moments où on a besoin de se poser les questions ensemble. Et l'intelligence ou la maturité coopérative, c'est de savoir discerner à quel moment on est et de quoi on a vraiment besoin. Est-ce qu'on a besoin de la réponse ou est-ce qu'on a besoin de la question ? Et au-delà de la réponse et de la question, il y a aussi la méthode. Et c'est très central, ça. Oui. La question, c'est sous-entendu le processus de se questionner ensemble. Oui, c'est donc c'est la méthode, tu as raison. Il y a 60 ans que je me pose des questions sur la coopération, sur le développement. Je ne suis pas sûr d'avoir trouvé les réponses. Par contre, je ne suis plus dans une phase, contrairement à Dominique, je n'ai pas l'impression d'être dans une phase d'enrichissement. Je suis plutôt maintenant dans une phase de témoignage. Et j'essaie de me retourner vers les plus jeunes pour essayer de leur expliquer qu'il ne faut pas qu'ils refassent le chemin un peu compliqué, un peu long, que moi, j'ai dû faire. On va revenir sur cette problématique qui est une forme de transmission, en fait. Hein. Oui, bon. C'est un peu ça. Je pense qu'il y a des clés, il y a des compréhensions. Là. Même si ça paraît
Bon, ça m'apparaît, de le dire comme ça, ça m'apparaît un peu prétentieux, mais ceci étant, je ne sais pas comment le dire, quoi. Eh ben non, non, mais ben, comme ça. Oui. Transmettre ses données, voilà. Pas très prétentieux. Ouais. En fait, étymologiquement, la transmission, c'est le don de soi. Donc ça va loin, hein, ça... Mais qu'est-ce qu'on donne ? Et puis si tu me permets une parenthèse, ton obsession à transmettre, c'est un peu comme M. Jourdain qui fait de la prose sans le savoir, parce que enfin, moi je fais partie des gens à qui, justement, tu as transmis beaucoup de choses, et notamment cette capacité à, justement, voir ce qu'on peut faire émerger sur un territoire et tenter de le construire ensemble, et c'est pas rien. Parce que peut-être que la transmission n'est pas une phase particulière à un moment donné, mais qu'à tout moment, oui, mais il y a des formes de transmission. Bah, j'ai pas l'impression d'être pédagogue les uns des autres. Beaucoup attaché jusque-là à la transmission. Claire, en train de te dire qu'il y a une partie à ton insu. Oui, c'est doute. Ça que tu transmets. Oui, bien sûr. Et qu'on est peut-être les premiers sans jeunes savoir. Qui sont devenus un peu vieux, qui à qui tu as déjà fait ça. Elle est née comment, la ferme aux animaux ? Il est né d'un projet familial, parce qu'il y avait mon compagnon aussi. Je vais dévoiler mes enfants, Emma et Emiliano. D'accord. Voilà. L'idée, c'était de trouver une activité qui pourrait nous permettre à trois familles, en fait, Milena et mon père, et puis nous deux, de se salarier en y ajoutant d'autres personnes. Et donc, c'est une scope, c'est ça. Effectivement, c'est c'était une intention de pouvoir travailler en famille. Oui, c'est ça. Et d'avoir de pouvoir allier une professionnalisation qui était la vôtre. Et puis avec une activité salariée en famille, quoi. Dans notre protocole, on commence par la rencontre du soir. Tu l'as vécu avec nous aussi, donc tu peux peut-être le mesurer, ça. Cette rencontre, elle est sans enjeu, informelle, juste se connaître, découvrir les projets respectifs, que vous compreniez aussi pourquoi on est là. Bah, finalement, ce temps-là, nous, c'est le moyen que l'on a d'entrer en coopération en fait, avec les personnes avec qui on va travailler. Et finalement, c'est l'espace de décision de chacun d'être là le lendemain. Et comme il n'y a pas d'obligation d'être là, voilà, bah c'est un peu c'est l'expression. C'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'avoir un espace de temps et de vide qui va permettre à chacun de se positionner et de décider d'être là. On n'en parle pas. Et c'est un travail que chacun fait, en fait, même de se dire, est-ce que je vais être là ou pas là, quoi. Excuse-moi, tu peux redire les trois éléments qui sont liés ? Le territoire, alors territoire, effectivement, pas que géographique, ça peut l'être, mais le territoire, on pourrait dire que la ferme aux animaux est un territoire. Mmh. Le collectif, qui s'inscrit, le territoire étant la matrice de l'action, en fait, hein, dans lequel agit un collectif, et la singularité de chacun dans ce collectif. Et ces trois niveaux-là sont en permanence en action ensemble et interagissent les uns sur les autres. Et c'est vous dans le projet et non pas le projet en lui-même qu'on regarde. C'est ça qui nous permet d'ailleurs de voir des gens très différents et d'en tirer des enseignements proches. Voilà. C'est qu'on ne regarde pas vraiment le projet, mais les acteurs du projet et leur manière d'interagir ensemble. Si je dois rétrospectivement me pencher sur les plus grosses discussions qu'on a eues, les grosses évolutions qu'on a mises en marche, il y avait un besoin à un moment au sein de notre équipe
de reclarifier, de redéfinir ce que chacun était amené à faire. Parce qu'on était arrivé à une situation où ce qui n'était pas fait retombait toujours sur la même personne. Ouais. Voilà. Donc on s'est saisi de la chose et je trouve qu'on a apporté une réponse plutôt, qui tient la route pour l'instant, quoi. Et il y a un des trucs que je trouve intéressant dans cette fonction, c'est que cette personne qui est coordinateur anime la réunion d'équipe et se charge de faire le compte-rendu et de l'envoyer à tout le monde. Du coup, dans le rôle que chacun prend dans l'équipe, ça oblige à prendre tous de temps en temps ce rôle d'animateur de la réunion. De réguler, de gérer le temps. Ce qu'on nommait tout à l'heure dans ce côté leadership partagé. Ouais. C'est... Ouais. Souvent, quand on dit leadership, on pense leader, c'est-à-dire qui est le leader qui incarne le leadership. En fait, dans les environnements à forte maturité coopérative, on voit que le leadership il peut être assumé par des gens différents dans l'environnement. Et qu'à un moment, ça peut être telle personne qui se sent en capacité de leadership sur un sujet donné, qui a suffisamment d'estime d'elle-même pour se reconnaître comme leader, qui a suffisamment l'estime des autres pour être reconnu comme ça. Et puis, à un autre moment, dans une autre situation, ça peut être quelqu'un d'autre dans le collectif qui prend cette capacité de leadership. C'est moi le chef. Je suis le chef pendant encore un an. Je pense que le plus gros obstacle, il est d'ordre personnel. Je suis centré sur le projet. Hein. On fait ce projet de lieu de vie, de partage du quotidien, d'accueil de jeunes, cet investissement que nous demande notre travail. Il est parfois difficilement compatible avec nos aspirations, notre vie privée et ce qu'on veut construire à côté, quoi, vie familiale, etc. Vous travaillez le week-end, en fait. Je travaille le soir, mais pas la journée. On a une présence à tour de rôle, on est présent la nuit. C'est inhérent, en fait, au boulot qu'on fait, c'est que normalement, on voudrait à la base partager cette partie d'intime avec le travail. Quand on est veilleur de nuit, on ne nous demande pas après de revenir sur un autre temps. On peut dissocier les choses. Après, c'est plus ou moins compliqué à vivre. Mais voilà. Alors que là, c'est vraiment le projet. C'est de partager un bout de soi. Oui, lieu de vie et d'accueil. C'est un lieu de vie. De vie et d'accueil. Donc. Et donc, comme disait Anne-Sophie, tout ça, ça bouge en fonction de là où on en est dans notre vie privée aussi. Donc l'équilibre, il est toujours à retrouver. En fait, il n'y a pas d'équilibre. Oui. C'est ça. Oui, il est inhérent au projet qui mixe effectivement le projet de vie. Oui, il y a une part de l'intime qui est complètement touchée par organique. Enfin, ça ne peut pas être autrement. Ça fait partie. Tout à fait. C'est la nature même de ce type. C'est la nature même. C'est exactement. Merci. Oui, et puis enfin, moi, je ne veux pas revenir toujours à ça, hein, mais bien évidemment, je m'adresse à Milena, à ma mère, je m'adresse à Emma, ma sœur. Je peux pas faire autrement. Oui. Enfin, ça, non, mais c'est clair. Enfin, c'est un poids énorme dans nos relations professionnelles. En plus, à trois, on est majoritaire dans l'équipe. C'est quelque chose qu'on peut pas occulter, qui est là, quoi, de fait. Comment pouvoir vous parler indépendamment? Parce que quelque part, c'est une forme de rôle. Oui. Ouais. Et ça, on y arrive assez bien. Être une sœur, c'est un rôle. Ouais, mais tu pourrais presque te poser la question à moi aussi, de te dire, mais en fait, est-ce que je parle à ma sœur ou est-ce qu'au-delà de ma sœur, je suis en capacité de parler à Emma? Et c'est comme ça qu'on va pouvoir rééquilibrer. Et la coopération ouverte, en fait, c'est la capacité à se parler entre personnes, au-delà des rôles. Oui, je pense qu'il y a des habitudes qui font qu'on rentre dans un rôle. On a le rôle de celui qui va être optimiste, celui qui va être qui va faire le rappel au budget, celui qui va être très très vite. On peut entrer dans ce fonctionnement-là. Tout à fait. En fait, cette identification des personnes à leur rôle, elles finissent par les enfermer, elle est diminuée, elle est réduite, comme tu l'as dit, à leur rôle. Il y a trois jours, quand on était à la Com-Com, c'était les personnes. On avait des élus, on avait des rôles. Et c'était les personnes qui répondaient aux questions. Qu'est-ce qui fait que je suis là? C'est quoi? Etc. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'au moment où ils sont devant leur conseil municipal ou le conseil communautaire, là, évidemment, ils prennent leurs décisions en fonction de leur rôle.
Donc, il ne s'agit pas de nier le rôle en disant on est dans un monde où les rôles n'existent pas. Ce serait très dangereux et faux. Non, on a besoin de les connaître. C'est rôles. Que quand on est dans une phase de relation interpersonnelle, c'est avec la personne qu'on est en relation. Après, chacun va prendre ses décisions en fonction de ses prérogatives liées à son rôle. On va faire un petit temps de travail qui va nous permettre de continuer un petit peu à se décaler. Donc, question déroutante, position de perception, on va aborder. Alors, c'est quoi une position de perception? C'est, là, je suis en train de regarder Milena, à la place que je suis, dans ma position, je perçois les personnes qui sont autour de la table, avec l'environnement qui est autour, certainement différemment de Milena qui est en face de moi et qui a une position de perception qui est différente. Donc, c'est en fait de la position dans laquelle je suis, qu'est-ce que je perçois? Et donc, ce qu'on vous propose, c'est de vous décaler un peu dans votre position de perception. Et donc, pour faire ça, de monter avec nous dans une montgolfière. Oh, j'adorerais ça. Ben voilà, alors ben, tu vois, super, t'as possible... on va le faire. C'est exactement ce qu'on te propose. Voilà. Donc, pourquoi une montgolfière? Parce que ça ne monte pas très très haut, la montgolfière. Donc, ça nous permet de se mettre à une distance qui va nous donner possibilité de nous regarder en regardant ce qui se passe en dessous. Basse altitude, je vois les enfants, Elohim, Mathis, Kevin, Loris, Alexis. Oui. Je vois les animaux, je vois les champs, hop, je remonte encore d'un cran, là on prend un peu d'altitude. Je commence à voir le collège, l'école de Mathis, je vois l'IME de Loris. Je remonte encore d'un cran et là je vois les domiciles des parents des enfants qui sont placés. Je vois Nevers, je vois Paris, je vois Bourbon-l'Archambault, etc. Et si je remonte encore d'un cran, là du coup je vois les partenaires institutionnels du lieu de vie. Je vois le conseil départemental, je vois l'ASE de Paris, comment ça s'appelle maintenant dans l'Allier? TSD, le territoire des solidarités, voilà, la MDA, je vois tout ça. Les juges des enfants, donc les différents tribunaux, pardon. Nos collègues. Nos collègues aussi. Oui, alors, c'est qui vos collègues de lieu d'accueil? De lieu d'accueil. Ouais. Ouais, je les avais zappés. Ouais. Ouais, tu les voyais pas. Tu les vois à cette échelle-là? Moi, je peut-être il a... même un peu plus bas. Tu les vois plus bas. Tu les vois plus bas. Plus d'accord. Proche. Oui. La marche en dessous. D'accord. Ouais. D'accord. Beaucoup plus proche. Dans l'image visuelle que vous proposez, je me suis dit, quand on monte, ça me fait penser aux cartes du monde. Où nous, on a toujours la France au milieu. Et quand on va ailleurs, on voit des cartes du monde qui sont positionnées différemment. Et moi, je trouve ça toujours très bizarre parce que ça me prend toujours un peu de temps pour reconnaître le positionnement des choses. Et c'est pareil avec la montgolfière, je me dis plus on monte et puis le vent peut aussi nous pousser. Et du coup, on sera plus au centre de ce réseau. Mm-hmm. Et du coup, tu peux voir un décentrage. Ouais. Et du coup, plus être juste au-dessus. Et donc. Disait Guillaume, Guillaume a dit on est un des éléments, une des réponses proposées à ce besoin de. D'enfants qui sont confiés. Parce que pour l'instant, depuis qu'on parle de prise de recul, j'étais toujours avec le truc qui le focus qui s'élargissait. Oui. Et je me suis dit, dans la montgolfière, il y a la possibilité du vent aussi. Oui. Et du coup, on peut devenir. On peut être sur le bord de la carte, par exemple. Oui. Mmh. C'est vrai que plus on peut monter à un niveau où on ne se voit plus, comme tu disais, on ne se voit plus, mais il ne faut pas l'oublier, ce niveau-là, où on ne se voit plus, je pense que c'est quand même très important parce que on fait partie de ce tout. Les gestes qu'on a en tant qu'individu ont une conséquence sur cette globalité, cette masse, cette terre. Humanité. Oui. C'est-à-dire que quand tu te vois plus forcément, mais tu sais que ce que tu vois. Mais on fait partie d'eux. T'en fais partie. Est modifié parce que tu fais. Ben, bien sûr. C'est ça. Bien sûr.
Il y a d'autres visions quand vous vous penchez? Si je refais cet exercice-là, je me garder en tête qu'un lieu de vie s'inscrit dans les différentes solutions de la protection de l'enfance, oui. Qui implique que l'autorité judiciaire en France considère qu'on peut retirer un enfant de sa famille. Est-ce qu'on est d'accord avec ce principe-là? Si oui, selon quels critères? On revient sur des critères ou pas? Sur les enfants que vous voyez passer, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes des fois en relation avec les familles? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Enfin, il y a des fois où on peut se retrouver en désaccord, pas simplement avec notre activité, mais avec l'écosystème dans lequel il se positionne. Exactement. Et là, je parlais de l'arrivée de l'enfant chez vous, et aussi son départ. Est-ce qu'on arrive véritablement à travailler une autonomie, éventuellement un retour en famille? Est-ce que c'est souhaitable ou pas? Ça dépend des situations. On sait aussi que le lieu de vie pourrait se retrouver dans les dérives possibles, finalement à vivoter avec ses gamins, ça se passe bien, et puis c'est bien. Et on perd de vue un objectif qui pourrait être ou pas, celui du retour de l'enfant en famille. Enfin, ben, ces questions-là aussi dans le... C'est exactement. Parce que tout ça fait partie d'un écosystème dans lequel les choses sont reliées, mais que je peux à un moment ne plus voir les liens. Et quand je t'entends, je pense aussi, ça me vient en entendant ce que tu dis, ce phénomène, est-ce que je suis en accord, pas en accord? Est-ce que je vois sur moi qu'est-ce que ça produit aussi? Le fait d'être en accord ou pas avec l'autorité judiciaire, les décisions qu'ils prennent. Est-ce que je vais dans le sens de mes propres convictions ou est-ce que finalement je rentre dans un moule qui est celui de l'autorité judiciaire? Enfin, toutes ces questions-là. Moi, en entendant Guillaume dire ça, je me dis, mais si on réussit tellement bien, là, si la ferme aux animaux a un lieu tellement agréable, moi, je suis un gamin, j'ai plus envie de la quitter. Mmh. Alors que finalement, tu viens de dire que dans quelle perspective on accueille? Est-ce que c'est pour remettre dans un chemin de vie? Enfin... Mmh. Il y a un retour chez les parents. Ça, c'est un trait qu'on connaît. Tu vois, c'est peut-être très théorique, ce que je dis, mais je t'entends, je me dis... s'installer dans un lieu... Non, c'est très théorique. C'est pas très théorique, c'est très pratique. Il y a des lieux de vie, notamment dans les familles d'accueil, où les conditions sont telles que, finalement, il y a un tel décalage généré entre la famille, qui peut être dans la misère sociale et économique, et la famille d'accueil, où finalement, c'est super bien, je fais du cheval et de la musique, et voilà. Ce décalage généré par l'institution, finalement, pas réfléchi initialement, mais de fait... Par la situation en elle-même. C'est ça. Donc des fois, nous-mêmes, on creuse l'écart et on se rend compte qu'en fait, on rend le retour en famille plus difficile. C'est ça. Okay. Oui, être en contradiction, en fait, à un moment... Donc c'est très concret, ça. Ah, oui. OK. Bon, on fait redescendre la montgolfière. Il y a aussi une notion de respiration, justement. Oui. C'est-à-dire que du coup, ça, c'est par rapport au fait d'être au quotidien dans quelque chose. Et si on nous propose de monter dans une montgolfière, moi, c'est aussi un moment où je vais, justement, si je monte dans la montgolfière, j'arrête à un moment d'être dans l'action. Dans l'action. Et du coup, je me mets dans un état d'esprit de regarder plutôt que de d'en être. Et dans ces cas-là, en général, ça fait du bien, ça rassure un peu. Donc ça ressource. Ouais. Ça ressource. Donc déjà, il faut la prendre de temps en temps. Bah on est dedans là. Ouais. Bah oui. Il faut la prendre. Non mais je veux dire, c'est une forme de montgolfiarisation. C'est entre nous aujourd'hui. C'est ça, exactement. Et donc, dans la coopération, quelle fonction prend ces moments de respiration et de recul possible? Moi, je pratique le jeu pas mal, et du coup, le jeu, c'est forcément une pratique libre.
Et du coup, on ne peut pas contraindre quelqu'un à jouer. C'est dire « va jouer » ou « joue », c'est antinomique. Il faut absolument qu'il y ait un consentement. Quoi. Et du coup, je me demande si dans notre territoire, à nous, là, que moi, je regarde que celui-là, j'en sors jamais. Et du coup, il n'y a pas cette histoire du fait qu'en fait, on a été contraint à jouer. C'est-à-dire qu'en fait, la coopération, elle a été apportée par l'institution. C'est-à-dire que du coup, si on prend un peu une chronologie de la coopération intercommunale, notamment sur mon bled à moi, quoi. En plus, il s'avère que j'ai un peu étudié la façon dont les coopérations intercommunales sont apparues dans le paysage administratif français. Et du coup, il y a eu, sur notre territoire à nous, une coopération qui s'est faite sur les questions culturelles. Qui s'est faite de façon naturelle entre les acteurs, en fait. Et du coup, ça a duré pendant 15 ans. Et puis au bout de 15 ans, en fait, il y a la coopération institutionnelle qui est arrivée, qu'il fallait réaliser, quoi, en fait. Et du coup, on a vu apparaître les communautés de communes alors que nous, on avait des CIVOM. On a vu apparaître le pays alors qu'il y avait des CIVU et des trucs qui s'étaient déjà mis en place. Et en fait, l'institution est arrivée et a dit « Non, en fait, maintenant, vous allez coopérer comme ça. » Donc ça fait 20 ans de coopération imposée qui aboutit à ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, on serait bien plus content de plus qu'on nous impose plus la coopération, en fait, et qu'on puisse faire celle qu'on a envie. C'est choisir la coopération, quoi. C'est choisir avec qui on en veut. Le processus coopératif, c'est quand il existe, c'est que c'est un choix. C'est quoi, l'analogie avec le jeu est vraiment intéressante, parce qu'effectivement, si on n'a pas envie de jouer, ça marchera pas. On va pas jouer. Il y a un deuxième point qui est intéressant dans ce que Arnaud relate là, c'est, et on y reviendra à plusieurs moments de la journée, mais c'est ce risque quand un modèle fonctionne et que du coup on le modélise, on l'institutionnalise, on va le figer, et en faisant ça, il ne fonctionne plus. Et ta troisième question. Oui, parce que tu... Ouais. Ah oui. Alors, je passe à la troisième. Oui. Vous n'aurez pas la quatrième, mais la troisième qui l'entend. Quels sont les inconvénients à réussir? Quels seraient les inconvénients à réussir? Bon, on vient d'en parler d'un. Hein. Oui. C'est-à-dire instituer finalement quelque chose qui perd son sens. Oui. C'est exactement ce que vous avez exposé. Oui, oui. Tu peux reformuler la question pour nous. Quels seraient les inconvénients à réussir? Pour vous, pour d'autres acteurs? En tant qu'élu, moi j'avais été audité par l'école des mines, le collège des transitions sociétales, et deux fois, c'était parce qu'on parlait des réussites, et ils m'ont dit « si tu réussis à porter tes projets, c'est parce que tu n'as pas d'ambition politique ». C'est-à-dire que si, par exemple, j'avais été candidat, je ne sais pas, conseiller départemental, député, ils m'ont dit, et ça m'a fait énormément réfléchir, ils m'ont dit, t'aurais eu beaucoup plus de bâtons dans les roues. Parce que là, t'aurais eu des levées de boucliers, là, t'aurais fait de l'ombre. Mmh. Et là, on t'aurait mis des bâtons dans les roues. Si t'as autant de liberté, c'est peut-être parce que tu n'as pas d'ambition élective autre que celle de ton territoire. Et dans les inconvénients à réussir, moi, je mettrais les réactions. Nous, on était performants à faire de la coopération et à utiliser cet outil-là sur le territoire pour arriver à des résultats pertinents. Plus, en fait, les gens sur lesquels on marchait, sur les plates-bandes sur lesquelles on marchait, désinguaient ce qui pouvait être de l'ordre de la coopération. Ça dope les gens qui veulent exactement le contraire. Alors, il faut qu'on retienne ça. Parce que ça touche vraiment en quoi on coopère et si on est en réelle coopération, est-ce qu'elle est fermée ou est-ce qu'elle est capable d'être ouverte? Parce que si l'extérieur réagit à notre coopération, alors il faut se poser la question de savoir mais c'est quoi notre coopération et est-ce qu'on est réellement dans la coopération? Ou est-ce que nous sommes dans la coopération mais elle finit par nous empêcher de coopérer avec l'extérieur. Avec certains. Pour nous, c'est vraiment un indicateur de forte maturité coopérative. C'est quand notre manière de coopérer devient contagieuse et ne nourrit plus ou pas de réaction, dont la violence, ou dans la force, plutôt la force, peut être à la hauteur de... Tout à fait. En contrepoint de notre coopération.
Du coup, grâce aux conversations qu'on a là, je réalise maintenant, tout de suite maintenant, là, que y a, s'il y a un déficit de la compréhension par les interlocuteurs qu'on peut avoir en face, il y a aussi un déficit de la compréhension de tout ça par les interlocuteurs qu'on a avec nous. Exactement. Enfin, déjà, c'est presque un luxe de pouvoir lever la tête pour évaluer le gain de la coopération. Enfin, on le fait jamais, ça. Enfin, on le fait aujourd'hui, là. Oui, mais se saisir de la coopération en tant que telle. Bah ouais. Quand c'est des euros, on peut les compter. Quand c'est des chouquettes, on peut les compter. Mais quand c'est de la connaissance, ou bien du bien-être, ou bien du plaisir, ou bien de... Alors là... La coopération, elle est au cœur de tout projet humain. On n'existerait pas s'il n'y avait pas de coopération. Nos parents ont coopéré pour qu'on puisse exister, en fait. Et si on la ramène à ce stade-là, à quel moment... Non, mais t'as raison. Nous, on n'est pas polarisés sur le mot... Pour ça, ça reste pour nous un moyen, quoi. De, oui, de, tout voilà. À fait. Et on la regarde rarement en tant que tu. Voilà. Peut-être. J'avais juste un deuxième qui va être très court et un peu provocateur, du coup. Un gros obstacle à la coopération, pour moi, c'est quand une structure se nomme coopérative, et du coup, c'est un risque. C'est pas un obstacle, c'est un risque. Et du coup, se dire, puisque je suis une coopérative, je n'ai même pas besoin de fonctionner comme une coopérative, et je ne fais pas de coopération à l'intérieur, mais je pense que vous pouvez rejoindre. En fait, ça va revenir, on va prendre la parabole avec le couple. En fait, la plupart du temps, dans nos diversations, et je pense que sur toute aventure humaine, que ce soit l'occasion de... Enfin, dans le cadre d'une entreprise, d'une société, qui peut être purement commerciale par ailleurs, une collectivité, le secteur associatif. Et à un moment, il faut qu'on ait une vision et quelque part une part d'utopie sur le pourquoi on fait les choses. Et voilà. Et effectivement, tu as raison. Le comment, c'est la structuration. Une coopérative en tant que telle, elle peut s'appeler comme ça, elle peut avoir ce cadre et ces statuts juridiques, mais c'est la vision, c'est pourquoi on existe, quoi. Et ça, la plupart du temps, on l'a oublié. Mais dans toutes nos structures, il n'y a pas besoin d'être... Et c'est pour ça aussi qu'en insistant sur cette définition co-auteur d'une œuvre commune, quand on dit œuvre, c'est l'utopie dont tu parles. C'est-à-dire que notre œuvre, c'est pas le projet... de la SIC, ou le projet de la rénovation énergétique des bâtiments, ou le projet de je sais pas quoi. Notre œuvre, c'est d'arriver à faire territoire et de générer des projets et de générer des choses qui répondent à des besoins, quoi. Et pour nous, la coopération, elle intègre ce niveau dont tu parles, qui est de l'œuvre, et qu'on peut perdre de vue. C'est ça. Ok. Pour en revenir au couple, parce que j'ai pas terminé. Oui. Ah oui, excuse-moi. Nous avons été le quoi à un moment de nos parents. C'est le couple qui était le comment. Et l'utopie, c'est qu'à un moment, il y a un peu d'amour, quoi. Exactement. Exactement. Tout à fait. Ouais. Très bien. Normalement, c'est dans ce sens. On revient à l'amour, alors. On revient à l'amour. T'as pas de colère, Gilles. On revient à l'amour. Merci, monsieur. On peut clore. C'est une merveilleuse manière de clore une matinée. Anthony Marchand, donc, du coup, moi, je suis animateur pour la commune d'Essai. Donc, du coup, mis à disposition des associations. Donc, tu es employé par la ville ? Par la ville. Moi, je dis tu assez vite, parfois trop vite. Pardonnez-moi, mais... Et du coup, mon rôle, en fait, c'est d'aider les associations. Alors, j'ai plusieurs casquettes. Hein. J'ai la casquette autour la direction du centre de loisirs, la casquette cordeau de l'espace de vie sociale.
En grande partie, tout le projet du territoire ici a été construit sur un modèle de partenariat. On est amené à travailler avec de nombreux partenaires du territoire. C'est vrai que Xavier, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît et on travaille ensemble. Voilà, c'est autour du numérique. Quand on a démarré en milieu rural, ça n'existait pas beaucoup. Il y avait les espaces publics numériques qui faisaient un peu ce travail-là. Puis on s'est aperçu qu'en fait, il y avait une culture du numérique un peu plus avancée et là, les gens étaient complètement perdus. En milieu rural, on a toujours un décalage avec le niveau de l'urbain. Alors moi, je m'appelle Juliette Travers, je suis salariée à la Fédération régionale Famille Rurale. Nos associations normandes engagées dans le projet tiers-lieu étaient pour la plupart espaces de vie sociale, donc il y avait quand même une certaine suite logique à entrer dans ce projet. Bonjour, donc Béatrice Barbe-Guillon, je suis enseignante au lycée agricole de C, en éducation socioculturelle et coordinatrice d'un BTS qui est axé sur le développement local, tout ce qui tourne autour de la méthodologie du développement local sur les territoires ruraux en particulier. Donc ça veut dire que les étudiants appréhendent la formation à travers des projets. Nous, on rencontre Famille Rurale de la région d'Essai. Après, on apprend que la rencontre, elle est à l'écloserie numérique, qui par ailleurs est un tiers-lieu, etc. Et puis quand on arrive, on voit, tiens, il y a deux profs du lycée agricole. Qu'est-ce qu'ils font là? Ben oui. Ouais. Alors... c'est notre écosystème. Ouais, c'est ça. Quand Anthony t'appelle en disant est-ce que tu viendrais à cette rencontre, qu'est-ce qui te fait dire que c'est normal? C'est un peu sèche là-dessus. Qu'est-ce qui fait que je me pose pas de questions, je me dis j'y vais. En vrai, quand tu m'as parlé d'Anthony, enfin tu m'as parlé de l'invitation, en vrai, on ne savait pas trop au départ, mais moi je ne savais pas trop de quoi. Mais ça paraissait évident parce qu'on appartient au même réseau. On a des habitudes de travail et comme on le dit, on peut se croiser à n'importe quelle occasion. Anthony va dire bah tiens, je réfléchis à un truc. Et nous on se dit ah bah tiens, ce ne serait pas l'occasion d'un stage. Mais de la même manière, on appartient au même territoire, au même réseau, ce qui fait que ça paraît évident, On ne se pose pas la question. Non, mais c'est ça qui est... Oui, tout à fait. C'est implicite, c'est évident. Oui, oui. Parce que tu n'es ni adhérent de Famille Rurale, ni bénévole à l'écloserie. Il y a une évidence. Pourtant, tu es là. Et derrière ça, il y a beaucoup, sans doute des choses très, très riches. Mais ça tient beaucoup à Anthony, hein. Voilà, on se parle. Non, mais c'est plus tous les matins, en fait, on apprend des situations. Enfin, voilà. Enfin, finalement, c'est... Je trouve que c'est plus... C'est peut-être un peu... un peu gros ce que je dis, mais on construit tous une œuvre ensemble. Enfin, moi, c'est un petit peu ça. Je me dis, peut-être dans 5 ans, je ne serai plus là, dans 2 ans, peu importe. Mais on pourra prendre du recul et tous ensemble sur un territoire, qu'est-ce qu'on a construit. Et c'est un peu leur œuvre à tous. Voilà. Tu l'appellerais comment, cette œuvre? Quand tu dis, on construit tous une œuvre ensemble, tu lui donnerais un nom? Tu la nommerais? Non, pas trop, non. Je ne sais pas. Enfin, après, ça bouge tellement. Voilà. Mais c'est vrai que... Le côté coopératif, le mot est posé. C'était pas quelque chose que je me posais comme question avant. Et je trouve que finalement, ça correspond assez bien. On a plein de personnes qui ont plein de compétences ici, plein de qualités. Et finalement, il faut toujours aller chercher, même si on n'est pas... Voilà, il y a des fois, on n'a pas envie de trouver. Franchement. Mais finalement, en fait, on sait que cette personne-là, c'est lui l'élément qui va nous décoller, qui va nous, comment dire, nous débloquer la situation. Et ben, on va l'avoir, on dit, tiens, mais ça ne tenterait pas de faire ça et tout, puis finalement, pas. Ouais. Et puis, ça prend, et puis, voilà. C'est ce côté-là. On découvre peut-être l'autre aussi, d'une autre manière, du coup. On découvre l'autre d'une autre manière, et ça, c'est très concret tous les jours, quoi. Ouais. Si je pose en termes de valeurs et croyances, quels sont les mots que tu mettrais? De quelle manière ça te nourrit, toi? C'est plus Qu'est-ce que ça touche chez toi? C'est plus qu'on grandit des autres. Ah. Voilà. Et en fait, on avance dans sa vie personnelle. C'est vrai que finalement, c'est un projet... Enfin, moi, par rapport à mon poste ici, c'est du professionnel, mais ça reste... tout est croisé, quoi. Mm-hmm. Finalement, c'est quelque chose qui est très personnel aussi.
le boulot empiète sur la vie privée, ouais. La vie privée empiète sur le boulot. Et la coopération aussi, en fait. On se rend compte qu'on coopère aussi parce qu'il y a, en milieu rural, on se recroise plein de fois. Mmh. On se croise au niveau professionnel, on se croise au niveau perso, les enfants se croisent. Et en fait, il y a des convergences, quoi. Oui. La preuve, moi, je... La chose aussi, c'est de prendre le temps, parce qu'en fait, d'habiter sur place. Ouais. Et bien, finalement, en fait, je pars du centre, j'arrive à la maison. Normalement, j'ai 5 minutes. C'est déjà fait 5 minutes. Ah, c'est terrible. Parce que tu ne fais que poser. Ouais, c'est ça. Mais finalement, en fait, c'est ce qui permet aussi de... C'est ce qui permet, en fait, d'entendre des gens, d'entendre aussi les envies, de dire, tiens, permet de sentir les choses. Et puis finalement, après, en fait, c'est comment on va faire en sorte de que la petite étincelle de chaque personne, enfin voilà, ah oui, Stéphane, il était dans le village, c'est un jeune du village, je savais qu'il avait ce côté autour du patrimoine et tout. Puis un coup, je lui ai dit, bah, je dis, tiens, on va. Et finalement, on avait ce truc-là, et puis je lui ai dit, tu voudrais pas. Et finalement, c'est un peu l'énergie des uns et des autres, comment on peut les croiser. C'est en les croisant que tu fais territoire, c'est ça que j'entends, moi, dans ce que tu dis. Oui, c'est ça. C'est ce côté-là. Chez moi, j'ai une grande nappe. Et en fait, je fais des relais. Je me suis toujours dit, mais comment un tel peut être relié avec un tel? Et en fait, j'ai pris une grande nappe et j'ai fait des relations entre les gens. C'est-à-dire que je me suis dit, bah, un tel, c'est bizarre, il connaît un tel. Comment c'est possible qu'un tel et un tel se connaissent? Alors, du coup, j'ai fait des traits. Bon, voilà, je relie les gens entre eux par des relations qui sont perso, du coup, mais voilà. En fait, on est en permanence reliés et on est en interaction, en interaction et en récursion en permanence les uns avec les autres. Et c'est dans ce... on pourrait dire que la coopération, c'est l'expression sociale de la complexité. Au sens complexus, c'est-à-dire ce qui est relié ensemble. C'est vraiment l'origine du mot complexe. Et donc... tout est lié. C'est pour ça que ce qu'on disait aussi hier soir, c'est que c'est pas durable, c'est pas inscrit une fois pour toutes quand ça marche. Bah non. C'est vivant, c'est un processus dynamique. Quelqu'un qui part, qui quitte le territoire, qui prend sa retraite dans une association ou tout. On va faire bouger le système. Ouais. C'est de quelle manière le système se réempare. C'est ça. Et continue de faire vivre. Ou pas le processus. Processus. Oui. Moi, je trouve que dans le territoire que vous êtes, là, depuis hier soir, vous me amenez à la table d'échange des exemples qui montrent... parfois, vous dites, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a... Donc, on voit. C'est pas durable, mais ça peut l'être. Oui, donc, il y a quelque part, dans votre manière de faire, une capacité à renouveler ça aussi. C'est pas automatiquement durable, mais vous savez le renouveler. On est à 3 km les uns des autres... Ce serait quand même idiot d'arriver à faire des trucs ensemble. D'autant plus qu'il y avait, il y a quelques années, un projet de regroupement des communes d'Essay, de Boitron et de Bursa, communes de l'autre côté d'Essay, qui ne s'est pas fait justement pour des raisons de personnes de non-coopération. De clocher, chapelle, je ne sais pas comment il faut l'appeler. Truc assez classique, hein, humain. Oui. Le FFH, le foutu facteur humain. Le PFH. Le FFH, le putain de facteur humain. Le verbatim de Patrick Vivray, c'est pas ça. Oui, c'est ça. Le PFH. Mais c'est aussi. Ça lui permet de jouer avec le précieux. Tu disais par rapport au rural, le non-dit dans le rural, c'est très fort. Le non-dit. Dans le milieu rural, c'est très très fort. Ouais. Et finalement, c'est ce qui bloque beaucoup les choses. Enfin, je ne sais pas si... Et c'est vraiment propre au milieu rural. Enfin, voilà. Le monde agricole, c'est beaucoup de personnes qui ont des taiseux. Tout le monde parle tout. Enfin, c'est un mot qui existe, mais taiseux. Ça me rappelle une rencontre sur le territoire d'Isabelle où, à la suite de la rencontre, dans une Cuma, ils ont écrit un article dans le journal des Cumas, quand les non-dits pourrissent la vie de la Cuma. Un agriculteur, il montrera jamais qu'il a mal, qu'il est faible, qu'il est... Voilà. Et après, c'est tout un... C'est vrai. C'est vrai, hein, c'est d'accord. Vrai. Et du coup, par rapport aux autres, il va se positionner d'une manière,
où lui, de toute façon, il va montrer qu'il n'est pas en échec. Mais voilà, dans ce milieu rural, c'est ça. Peut-être quelque chose sur lequel il faut travailler, parce que il y a quand même beaucoup de signes qui montrent que être en capacité de partager ses faiblesses est permet la coopération. Mmh. Ouais. Bien sûr. Ou au contraire, plutôt que de cacher sans cesse ses faiblesses, empêche la coopération. Mmh. Donc là, il y a un truc qui est intéressant de chercher à déconstruire si c'est prégnant dans le territoire. Mmh. Et pendant qu'on mangera, éventuellement, je vous raconterai un échange qu'on avait eu avec l'un des relayeurs du relais 4x100 mètres français qui a été champion d'Europe. Là, alors que chacun des quatre coureurs était moins bon que chacun des quatre coureurs anglais contre qui ils étaient. Ouais. Et ils ont gagné. Ouais. C'est phénoménal comme histoire. Sur justement travailler, c'est reconnaître la faiblesse de l'autre et se dire comment on va pouvoir compenser ensemble. Et reconnaître la faiblesse, non pas comme une faiblesse de manière péjorative, parce qu'en fait, ça n'est qu'un point fort qui n'est pas développé quelque part. Oui, oui. C'est quelque chose contre lequel on lutte, mais on ne fait pas avec. Oui, oui. Ouais. Et en faisant avec, là, ils sont arrivés à un autre résultat. Mm. En fait, leur faiblesse commune est devenue une force. Moi, je pense que je verrais une grande toile d'araignée. Parce que, en fait, une toile d'araignée, ça se tisse. Il y a vraiment ça dans ce territoire-là, l'aspect très coopératif, justement, de faire très ensemble. Tissé. Ouais. Très tissé, quoi. Et quand on en a parlé, t'en as parlé au présent. T'as pas parlé de la toile comme un objet, mais t'as dit elle se tisse. Tu la vois en train de se tisser. Enfin, elle bouge. Ouais, elle est pas faite, quoi. Oui, elle est pas faite, ouais. Elle est commencée, mais elle est pas finie, quoi. J'ai l'impression de voir plein de petits personnages aussi. Enfin, plein de petites personnes qui sont en dessous de ma toile et qui la tiennent comme ça, avec les bras là-haut. Là, ah, moi je vois les plaies. Il faut qu'on soit là parce que si on n'est pas là, du coup, ça va s'effondrer. Enfin, c'est un truc très collectif comme ça, de gens qui se soutiennent par l'aspect collectif des choses et des projets. Et en fait, j'ai l'impression que ça, à Saint-Denis, c'est assez fort, en fait. Oui. Ça donne envie de venir. À moi, de ma place, du coup, là, ça m'a donné envie de venir ici. Mais de là où tu vois que ce territoire, il est attirant. Oui. Ben, attirant parce que... Oui, ouais, c'est ça. Coup, c'est que moi, que je suis nouvelle, ça m'a attirée de venir ici parce que il y avait de la coopération, de l'entraide, de l'intergénérationnel. Enfin, voilà, c'est ce qui me ressortait, en fait... de ce que j'en voyais, moi, de l'extérieur. Et on a envie d'y rentrer, du coup. Et alors, Valérie, du coup, sur deux niveaux, tu vois quoi si tu... Je vais repartir d'une image d'hier où c'est le bocage, oui, avec plein de petites parcelles de champs et des petites sentes entre les deux, où ça communique. Il y a des moments où il y a... Des fois, c'est fermé, puis des fois, c'est ouvert. Il y a du passage de différents oiseaux d'une haie à une autre qui, du coup, en se déplaçant, ils sèment les graines. En fait, c'est cet échange permanent. Il y a des entités. Voilà, pour moi, c'est ça. Il y a des entités, ça communique, ça ressème, ça repousse d'un champ à un autre. C'est jamais clos, mais il y a des moments où ça a besoin d'être clos et que ça n'empêche pas le tout d'exister. Mais pour ça, il faut l'entretenir. Il faut du petit monde qui partage. Parce que sinon, les arbres s'écroulent. Si ce n'est pas entretenu, effectivement, il n'y a plus de passage. Il n'y a plus de passage. Voilà. Exactement.
Oui, parce qu'on voit bien que ces chemins de bocage, s'ils n'étaient pas entretenus, mais... Mais il faut du passage. Pour qu'ils existent, il faut que ça passe. Qu'ils... Ah ben oui. S'ils n'étaient pas empruntés, ça va. Et encore, c'est récursif. Ah, oui. Il faut du passage pour qu'il soit entretenu, et il faut l'entretenir pour qu'il y ait du passage. Je suis agricultrice sur Sainte-Gatine et je suis présidente de l'Orchestre d'Harmonie. Voilà. Et donc, à ce titre-là, je vois des choses qui évoluent au niveau des musiciens, où je voyais des gens plutôt consommateurs simplement, qui venaient pour répéter, etc. Et puis qui aujourd'hui disent « Ah bah tiens, en fait, si tu veux, je veux bien te faire ça. » Ou « Je veux bien te faire ça. » Et ça, c'est du gagnant. Ça, c'est du gagnant. Oui, ils ont une forme d'engagement qui devient différente. Ouais. Et quand on organise la fête de la moisson, il y a des bénévoles que je vois simplement au moment de cette fête de la moisson. Et quand je les rencontre quelquefois dans la rue, implicitement, ils me disent « Qu'est-ce qu'elle est belle, notre fête !» Je me dis, bah, attends, ils viennent simplement pour une journée et ils s'approprient la fête. Ouais. Mais ça, c'est du gagnant. Enfin, c'est gagnant, quoi. Je veux dire, se sentir complètement intégré dans une organisation où ils viennent là simplement une journée, une demi-journée. Mmh. Bah, voilà, c'est simplement ça. C'est construit dans le temps. Ouais. Ouais. Ça vient pas... Non. Ça peut pas se demander comme ça demain matin, quoi. Demain matin, tu t'engages, quoi. Oui. Mais aussi, c'est accepter que la personne qui vient te donner un coup de main une demi-journée, une heure, deux heures, bah, tu la considères comme celui qui donne un peu plus, quoi, que tous, on a quelque chose à donner, quoi. Ouais, ouais. La coopération, dans son sens étymologique, c'est co-opéra. Donc, opéra, c'est l'œuvre en latin, donc c'est être co-auteur d'une œuvre commune. Et la coopération, elle est posée dans ce sens-là aussi, comme étant pédagogues les uns des autres. On sent très nettement dans ce que tu es en train d'exprimer là, par rapport à la fête de la moisson et à l'appropriation, ou à l'harmonie, où certaines personnes sont même à dire ben, « je peux faire ci, je peux aider à ça », etc. C'est-à-dire qu'on apprend les uns des autres. Si je peux dire quelques mots, comme t'as dit, Dominique, ne pas juger les gens, et vous ne serez pas jugé. Mais oui, ne pas tout juger. Tout à fait. Mais oui. Or, on est très habitué à très vite évaluer ce qu'on entend, et dès qu'on commence à évaluer, le jugement, il n'est pas loin. Ouais. alors que sinon, on reste à la découverte de la manière dont l'autre s'évalue lui-même. Ouais. En fait, c'est un peu ce qu'on est en train de regarder là ce matin. Ouais. Est-ce que tu dis c'est juste aussi sur... Enfin... Forcément, ça fait écho à plein de choses que nous, on vit par rapport à tout ce qu'on fait avec les bénévoles, mais sur la notion de la temporalité, en fait, c'est... Ouais. Moi, ça a changé, en fait, ma façon de travailler. Moi, j'ai dû apprendre à prendre le temps et à comprendre que le temps des projets, le temps de ma vie professionnelle, il n'est pas régi par ce que moi, je fais. Il est régi par ce qu'il y a tout autour de moi et du coup accepter que ça prenne plus de temps que ce que moi je ferais si j'étais toute seule, mais que en fait ça a mille fois plus de valeur de le faire ensemble et à plusieurs et de porter les choses collectivement. Mais ça, c'est un vrai apprentissage d'accepter de prendre du temps, que ça se passe pas comme ça, que ça se construise, que ça se déconstruise. Oui. Pour finalement arriver à quelque chose qui est généralement pas du tout ce qu'on avait pu projeter. Oui. Mmh. Ce que tu dis sur la temporalité, il se passe des choses pendant ce temps-là. Ouais, c'est pas du vide. Et que si tout est rétréci, alors il y a plein de choses qui vont plus pouvoir se produire. Mmh. Et on le sait, hein, on tire pas sur les carottes pour qu'elles poussent. Hein. Donc, non mais... Il y a un déplacement, en fait, dans ce que tu dis. L'œuvre n'est plus le projet. C'est le chemin. C'est le fait que dans le chemin, on a pu créer du lien, associer tout le monde, inclure chacun, etc. Elle est là, l'œuvre. Et du coup, le temps du projet devient moins important que le temps pour que l'œuvre elle dépasse le projet. Quoi. Moi, j'ai la chance de travailler avec des animaux. Je me lève tôt et
Mon plaisir le matin, c'est d'aller chercher mes vaches dans le fond du champ. Parce qu'à 6 heures du matin, c'est calme, on entend les oiseaux, on voit un renard qui est en train de muloter, on entend les perdrix, les faisans, voilà. Et je trouve que ça, c'est... Ah bah oui, oui, c'est une chance que l'on a d'être dans ce calme le matin, c'est... ressourçant. Ouais. On voit fort hein, combien l'environnement a son importance. Hein. Et puis, mon premier travail aussi, c'est de les observer le matin. Voilà, observer. Ah oui, parce que si tu n'observes pas, bah tu oublies que t'en as un qui est malade et qu'il faut peut-être s'en occuper d'abord avant de faire le reste. Et voilà, c'est avoir le regard sur tout. Donc entre la dernière fois où je l'ai vu et puis maintenant... Oui, par exemple, hier soir, tiens, il était pourtant en forme, je comprends pas ce qui s'est passé. Ah oui, bah voilà, il y a quelque chose, mais... L'observation est très importante ouais. En général, pas que dans oui. l'agriculture ou qu'avec les animaux, mais oui, l'observation aussi. Au printemps, moi je dis, j'entends l'herbe pousser. Parce que entre le soir et le matin, tu dis, tiens, c'est bizarre, on voit par rapport à la hauteur sur nos bottes, on dit, tiens, ça y est, ça a poussé, quoi, donc c'est... Ouais, la nature... Les saisons. C'est ce qu'on tente de faire aussi, c'est un travail d'observation finalement. Tout à fait. De ce qui nous entoure et à côté duquel on peut passer si on ne prend pas le temps de le regarder et de le discuter. Si on observe, on va trouver le bon moment pour nourrir le projet, et par moments c'est pas le bon moment, donc voilà, il faut vraiment observer tout. Et il y a des fois, il y a des gens qui parlent pas, mais leur corps parle. Il y a beaucoup de personnes âgées où, en fait, voilà, ils ne peuvent pas exprimer la douleur, mais on se doit d'observer pour savoir s'ils sont bien. Oui. Et ça, c'est hyper important, le non-verbal. Ouais. Et l'observation, qu'est-ce que c'est L'observation de ce qui ne se voit pas. Oui, voilà, c'est ça. Ou de ce qui ne dit pas. C'est ce qui ne se dit pas, en fait. Oui, oui. Parce que les personnes âgées... Ça ne parle pas. Je peux vous dire que vous avez de grandes qualités. Il a observé. Parce que ça, sans doute qu'il en a aussi une grande qualité d'observation. J'ai encore une quatrième question. Quels sont les obstacles à ce que vous faites, à votre action? Les obstacles, les difficultés. Nous-mêmes. Le jeu et le nous. J'allais dire le nous-mêmes. Décidément, cette rencontre n'est pas comme les autres. Notre conscience, c'est un... Donc, nous-mêmes, dit Aline. Pour moi, notre conscience, enfin, ce qu'on m'a inculqué, c'était un gros obstacle aussi. Les canons, les modèles. Oui, ouais, parce que nous, dans le modèle, dans le schéma où on est, c'est ce que j'ai vécu qui a fait que... Est-ce que Aline a vécu, ce qui a fait qu'on est là maintenant et qu'on produit et on fait ce type-là de travail, mais ce que mes grands-parents ou ce que mon père ou mes parents m'ont inculqué, c'est pas du tout quelque chose comme ça. Il faut que ça soit vraiment efficace, économique, et comment avoir toujours un réinvestissement, toujours plus produire, produire, produire. Et donc, dans ma tête, c'était... Ah oui, le modèle productiviste... Rentable. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça a été un choc quand même. Ils ont créé des modèles de conscience. Quoi. Ouais. Voilà, ma conscience a été programmée. Perturbée. C'est le voyage qui m'ont fait que maintenant, je me dis... Bon, oui, en fait, tu t'affranchis de ce modèle. C'est ça, oui. Bon, d'accord, son modèle était peut-être intéressant il y a quelques années. Moi, je trouve que maintenant, il est moins intéressant et que je préfère aller vers ce modèle-là, vers ce chemin-là. Ça peut être, effectivement, les modèles... Ça rejoint la question d'avant sur les inconvénients de la réussite. Parfois, la réussite, elle crée des modèles qu'il va falloir après perpétuer, même s'ils n'ont plus forcément de sens dans d'autres situations. Oui. Et les modèles, c'est des pièges. Je viens de me marquer, là... un superbe exemple de ce que moi j'appelle d'un modèle source vers un modèle propre. Et c'est vraiment intéressant, je crois qu'on a vraiment un truc à creuser à cet endroit, parce que vous exprimez beaucoup le côté, on a pris le relais, mais on ne fait pas exactement comme ça aurait été fait. C'est-à-dire que vous avez eu un modèle source inspirant,
Et ce modèle source, eh ben, vous devenez vous-même un modèle source, vous voyez. Pour ceux d'après. Mais il y a possibilité de laisser chacun développer son propre modèle en fonction du modèle source. Vous me suivez? Oui. C'est-à-dire qu'on parlait ce matin de la reproduction du modèle qui enferme. Qui enferme, le modèle industriel. Et en fait, très très souvent, on parle de ce modèle, on va créer des modèles. Si on veut changer d'échelle, il faut qu'on reproduise. Et donc cette reproduction à l'identique, en fait, c'est devenu un peu un piège, parce qu'on ne se rend plus compte qu'on apprend pourtant par modélisation, en fait. On a vu nos parents marcher, donc on marche. Enfin, nos parents et d'autres personnes. Et on marche tous, mais tous d'une manière différente. Mmh. Je trouve que c'est très très visible dans ce que vous racontez, dans l'exemple que tu donnais là. Et que finalement, dans les modèles dont tu parlais ce matin, s'affranchir des modèles, c'est peut-être à un moment comprendre que je passe d'un modèle source, c'est-à-dire celui qui m'a été montré, pour arriver à faire mon propre modèle. Ouais, mais c'est, enfin, très honnêtement, parce que souvent, c'est la base. C'est peut-être la base et c'est rare. Ah oui, 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 mais c'est compliqué. Parce que hein, qu'ils s'autorisent à avoir leur propre modèle, il faut qu'ils sentent qu'il y a cette possibilité aussi. Oui. Oui, oui. Un enfant, il marche parce qu'il sent que ses parents vont être vachement contents qu'il marche, mais personne ne lui dit « mets ton pied de ce côté, fais ci, fais ça, moi je ne marche pas comme ça, donc tu ne devrais pas marcher comme ça. Mm-hmm. » Moi qui est directrice d'EHPAD, en fait, il y a un modèle d'EHPAD, ça fonctionne bien, donc on va faire ça. Donc en fait, maintenant, donc c'est interdit en fait, d'avoir, ce n'est pas possible, et on, globalement, on fait mourir les petits EHPAD parce qu'à partir de 80, ce n'est pas viable. Prendre le temps, parce qu'on a pris le temps quand même. Ouais. On n'ose plus prendre le temps. Mmh. Hein, parce que ça prend du temps, des gens qui sont déjà surbookés et tout, donc on se dit... Alors sans le temps, on fait pas grand-chose. Alors que sans le temps... Ce que j'ai apprécié, c'est de trouver un petit peu des réponses, des fois inattendues, et puis un questionnement autre. Ça permet aussi de voir quels obstacles on a dans le cadre de la coopération, et puis quelle peut être la méthode pour les contourner ou les attaquer d'une autre manière. Donc c'était vraiment un échange enrichissant et... où il y avait un don de soi et une vérité de soi, ce qui donne aussi envie de travailler dans le territoire, moi, qui arrive. C'est super, on va faire des choses comme ça. Donc j'ai envie de continuer, que l'EHPAD soit vraiment partie prenante, en fait, de toutes vos actions et de favoriser, moi, de ma place, en fait, de favoriser ces échanges-là, ça, c'est sûr. Enfin, pour moi, c'est... Ça date d'il y a 5 minutes. Quelle est l'œuvre commune? Se définir. Enfin, moi, s'il y a un truc que je retiens pour les mois à venir, c'est vraiment l'utilité que j'ai perçue. Très honnêtement, je me suis interrogée sur ce qu'on allait vraiment faire et dire, etc. Et ma foi, je ressors de cette journée agréablement... satisfaite, parce qu'on a parlé vrai, je pense, les uns et les autres, et qu'on a partagé ce qu'on vit. Voilà. La coopération, moi j'ai compris qu'il y avait le territoire, il y avait le collectif, et puis il y avait surtout l'individuel, et que voilà, l'individuel, je l'aurais mis un peu de côté, j'aurais parlé que du collectif. Donc,
Voilà, et c'est pour ça que moi, je suis pas beaucoup intervenue, même pas du tout. Mais voilà, je me suis nourrie d'un peu de tout ce qui se disait, donc ça m'a confortée dans l'idée qu'il fallait peut-être faire plus de coopératifs aussi dans ma collectivité, dans ma propre collectivité, dans mon management, enfin voilà. J'ai vieilli, mais de quelques heures, par contre, j'ai beaucoup grandi. Donc ça, c'est chouette déjà. Les deux notions d'implicite qui ont été évoquées en début de réunion, et puis la montgolfière aussi. Parce que des fois, on se dit qu'il faut prendre un peu de recul ou un peu de hauteur, mais ce n'est pas suffisant. Et la notion de montgolfière, en fait, elle nous laisse le temps de monter, de grimper, et le silence qui l'a accompagné nous a, je pense, amené beaucoup plus de choses que si vous aviez dit prenez un peu de recul ou prenez juste de la hauteur. Enfin, voilà. En fait, garder cet objectif, en fait, de ne pas prendre de pas monter en montgolfière seul, mais tous ensemble, quoi, au sein d'un conseil d'administration et avec les organisations avec lesquelles on veut coopérer. C'était assez perturbant et en même temps hyper enrichissant d'imaginer qu'en fait, au départ, on s'interrogeait collectivement sur la coopération et qu'en fait, ça nous interrogeait quand même, nous, à titre individuel aussi. Donc ça, c'est assez bluffant. Je ne pensais pas trouver ça, en fait, en étant là aujourd'hui. Mais il y a aussi la dimension contemplation de la beauté du monde. Je me disais tout à l'heure, là, on est là et c'est beau. Mmh. Et ça aussi, c'est une motivation. Au début, on voit la beauté du lit dans lequel on est et on se dit, on est bien là. Et après, il y aura la beauté du café et la beauté du reste de la journée. Dans le sens où l'idée, c'est pas de se dire parce qu'il y a des choses à changer, il faut vivre dans une frustration de maintenant ça va pas. Pas du tout. Cette négativité, d'ailleurs, si elle prend trop de place en nous, après c'est ça qu'on véhicule et ça nous aide pas à nous sentir bien. Donc c'est pas l'idée. Il y a Montaigne qui disait enseigner, c'est pas remplir un vase, mais c'est allumer des feux. Et vous avez allumé plein de feux, chacun, hein, pas que vous, bien sûr, mais ça a allumé effectivement plein de feux dans ma tête. Et voilà, c'est ça. Et j'ai pris conscience de cette dichotomie entre coopération et projet, quoi. C'est-à-dire que effectivement, j'avais pas forcément conscience de ça, quoi. C'est-à-dire que la coopération en soi, qui était, voilà, ça j'en ai pris aujourd'hui conscience. Donc merci pour ça, voilà. Ce qu'on a fait avec vous aujourd'hui, on n'a rien fait d'autre que de mettre en place un processus de coopération avec vous. En fait, on a coopéré ensemble. Sinon, on ne pourrait pas faire ce travail-là. Je veux dire, c'est hyper agréable de ne pas se poser la question de pourquoi on coopère. Vous ne l'avez pas posé comme ça, enfin, je suis peut-être arrivé trop tard, si j'avais non, non, tard. Non, mais vous n'avez pas dit, nous on en est arrivé à travailler sur la coopération parce qu'on a trouvé qu'il y avait de la crise, parce qu'on a trouvé qu'il y avait du problème, parce qu'on voudrait que ce soit une solution. Non, vous êtes arrivé, non, nous, voilà, il y a des résultats avec la coopération, on en parle. Et du coup, c'est à la fois super agréable pour rentrer dans la conversation, on convoque la coopération pour ça c'est, et donc en fait tout ça pour dire que j'ai envie de poursuivre cette conversation.